L'Argentine est sur le toit du monde depuis dimanche 18 décembre 2022. L'Albi Céleste a battu la France en finale de la Coupe du Monde dans les tirs au but 4-2 après 3-3 dans le temps réglementaire. Cette victoire a permis à l'Argentine de passer de la France au niveau du tableau des vainqueurs de la plus grande compétition de la FIFA. L'Argentine a désormais 3 titres et la France 2. Ce titre remporté par Lionel Messi avec sa sélection confère aussi au Paris Saint-Germain, son club, un statut spécial. Et une statistique l'approuve si bien. Avec cette statistique, on est tenté de dire que pour remporter la Coupe du Monde, il faut venir d'abord au Paris Saint-Germain. Même si la coïncidence reste limitée à 3 joueurs, il est quand même important de s'y pencher. Les 3 joueurs en question sont Ronaldinho, Kylian Mbappé et maintenant Lionel Messi. En effet, les 3 joueurs ont quelque chose en commun en plus du Paris Saint-Germain. Ils ont tous 3 remporté la Coupe du Monde avec le sélections différentes un an après avoir rejoint le club de la capitale française. Ronaldinho passe le relais à Mbappé. Le PSG a réussi le gros coup du mercato en 2001 en enrôlant officiellement Ronaldinho le 10 mars 2001. Déjà un crack avant de débarquer au PSG, le natif de Porto Alegre n'a pas souffert pour mériter sa place en sélection du Brésil sous l'entraîneur Luis Felipe Scolari. Il faisait partie de la Dream Team du Brésil qui a remporté la Coupe du Monde en juin 2022 en Corée-Japon face à l'Allemagne grâce à un doublé du phénomène Ronaldo Nazario. Le Ballon d'Or 2005 a semblé être à l'origine de cette belle histoire. Il a passé le relais à Kylian Mbappé. 16 ans après le sacre de la Seleção, le natif de Bondy est aussi devenu champion du monde en juin 2018 avec l'équipe de France un an après avoir signé au PSG en août 2017 en provenance de l'AS Monaco. Incroyable, tout simplement. Et le tour de Lionel Messi, c'est comme si cette belle histoire entre le PSG et le sacre du mondial a seulement ciblé les grands joueurs et surtout au maillot floqué numéro 10. De Ronaldinho à Mbappé en passant par Messi, eux tous portent le dossard numéro 10 en sélection. Après Mbappé, le destin a voulu que ce soit le tour de Lionel Andrés Messi. Le natif de Rosario est depuis ce dimanche 18 décembre 2022 champion du monde avec l'Argentine qui a battu la France de Kylian Mbappé. Comme une passation de service, c'est à Messi que l'honneur est revenu de se voir sacré champion du monde en 2022, un an après avoir rejoint le Paris Saint-Germain. L'histoire se répétera-t-elle dans 4 ans, c'est-à-dire en 2026, à l'issue du prochain mondial? Nous sommes impatients.